Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième test. Et cette fois on va faire du slime mais avec de la maïzena. Donc ça devait faire comme à peu près sur la photo, un petit peu près. Mais vous allez voir, ça va être très bizarre. Donc pour commencer je vais venir prendre une balance, voilà, je vais y arriver. Et je vais venir mettre ma casserole et j'appuie sur tard pour pouvoir enlever le poids de ma casserole pour mettre de la maïzena. Donc pour commencer il faut mettre 20 g de maïzena, donc je fais jusqu'à 20 g. Ensuite je retiens ma casserole et je vais en mettre 22 ml d'eau. Donc j'ai versé l'eau, ça m'a paru très liquide au début, enfin je trouvais ça très bizarre. Mais en fait ça va pas trop l'air, mais c'est très très dur à mélanger bizarrement. Je pensais vraiment pas que ça allait faire cette réaction, on va dire. On voit un peu sur la vidéo que je galère un petit peu, mais ça a l'air bizarre. Mais en fait le truc c'est que c'est solide, mais deux secondes après ça devient tout de suite liquide. C'est vraiment bizarre, j'ai jamais vu une texture comme ça. Donc j'ai rajouté de l'eau et ça a fait très très liquide, ça fait un truc comme ça. Et donc j'ai fait des petites expériences, par exemple comme sur ma main, c'est bluffant, vous voyez, genre je mets sur ma main, j'arrive à prendre, c'est impossible de prendre du liquide comme ça on va dire, et c'est très bizarre. Vous voyez, ça coule sur ma main, j'en mets partout hein, comme d'habitude. Donc celle où on voit le mieux c'est lui je pense. En fait ça s'étale un peu comme une crêpe, comme une pâte à crêpe. J'ai aussi fait une boule que je suis venue casser en deux. Et c'est vraiment, enfin là vous voyez très bien, ça devient tout de suite liquide. C'est très très bizarre. Donc après j'ai mis plein de petits morceaux et je suis venue mettre de l'eau pour voir ce que ça allait faire. Et en fait ça a tout de suite fait que ça devient liquide et tout, parce que au bout d'un moment en fait la pâte devient très dure et ça ne marche plus. Et je sais pas, j'ai pas compris. Donc ce test on va dire qu'il est réussi, mais je pensais vraiment pas que ça allait avoir cette texture en fait, parce que je pensais que ça allait faire comme du slime de ma première vidéo, toute gluante et tout, mais là ça a fait ça devient du solide au liquide, donc c'est vraiment très très bizarre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et donc on se retrouve la prochaine fois. Salut !